Mathieu Michel, un invité de Marc, ici à Angers pour la victoire de Nîmes, ici 4-0 face à Tours. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de la victoire de Nîmes ce soir? Bien, bien, déjà ça m'a fait énormément plaisir de revoir les anciens coéquipiers, de revoir le staff, de revoir la famille entre guillemets. Et puis ben, de voir voilà, une belle victoire de Nîmes avec j'ai trouvé une équipe vraiment cohérente, avec voilà, beaucoup de liens. Et puis voilà, forcément quand un collectif marche bien, des individualités qui ressortent. Donc non, bien, ça m'a fait plaisir de venir ici et de porter chance, on va dire. Donc il faut que ça continue. Je pense qu'il y a un bon truc à jouer cette saison s'il continue comme ça. Donc c'est ce que j'ai dit un petit peu à tout le monde. Et j'espère qu'ils vont continuer, en tout cas moi je les suis. Ouais, ils ont gagné 4-0, ils avaient gagné 4-1 à Ajaccio, ils ont gagné au Cossière, là du coup ils sont sur le podium, c'est encourageant. Ouais, c'est vrai qu'ils sont depuis déjà voilà, l'épopée un petit peu de la remontée, on sentait qu'il y avait une dynamique qui s'était mis en route, et puis on voit que là ça continue, donc c'est qu'il y a du bon travail qui est fait au sein du club. Et il faut que ça continue, il y a quelque chose à aller chercher, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et quand on a un effectif de qualité comme là il y a l'air d'avoir, il ne faut pas se priver d'aller voir plus haut. Et en tout cas, c'est ce que je vais croiser les doigts pour ça. Et puis voilà, il n'y a pas de raison. Quand je vois ce qu'ils ont montré ce soir, faut pas s'enflammer non plus, mais voilà, il faut jouer son truc à fond. Ça vaut mieux être là quand même après 8 matchs que d'être 18ème. Bien sûr, après voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais il y a. Ouais, non, non, y a En tout cas, il y a un bon groupe, donc il faut que ça continue. Et quand même, ils sont fait bouger quand même dans les 30 premières minutes. Tu pensais qu'ils allaient gagner comme ça ou c'était compliqué? Ouais, quand c'est même vrai que c'était compliqué. Après, Tours est une équipe qui est un peu malade, donc l'avantage qu'il y a, c'est que là, des matchs où ils sont un petit peu moins bien, on voit qu'ils arrivent quand même à faire la différence. Voilà, sur le peu d'occasions qu'ils ont, ils sont réalistes, donc ça, c'est hyper important. Et puis voilà, il faut continuer, faut pas se prendre la tête et qu'ils continuent comme ça. En tout cas, ça fait plaisir de les voir et de les suivre. Et tu étais déjà venu au Cossière cette saison? J'ai pas eu l'occasion de revenir au Cossière encore, mais. Tu comptes venir cette saison? Si je peux, oui, dès que j'ai une opportunité, j'y viendrai, c'est sûr. C'est la famille, hein, tout ça, tous les gens qu'il y a ici, c'est la famille. Hein, donc on n'oublie pas. Hein. Bon, merci beaucoup Mathieu. C'est bon, merci.